dire encore. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu. Bonjour Yves. Comment vous allez ce matin? Ouf, ça va, ça va. Je vous ai apporté votre courrier. Eh bien, rentrez. Rentrez, vous avez bien 5 minutes. Des pubs, encore des pubs, je ne reçois plus que ça en ce moment. Yves? Oui. Vous avez des nouvelles de votre fille? Non, pas encore. Mais je vais l'appeler demain, c'est bon. J'ai une dernière lettre pour vous. Il faut signer d'abord. C'est un recommandé. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ben, c'est pas des conneries, justement. Mais je sais, ça. Encore un de vos stratagèmes ridicules pour me pousser à voir ma fille. Mon ex-femme me gonfle déjà assez avec ses histoires. Et puis, j'ai un bridge cet après-midi, alors vos histoires de décès à 12h29, allez les proposer aux voisins. Yves, quand ma femme a reçu le sien il y a 2 ans, j'aurais préféré que ce soit une connerie. Je la garde toujours sur moi. Regardez. Je vais crever. Putain. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce que vous allez faire? Agoniser, je pense. Mais qu'est-ce que je vais faire? Yves... Mais Tony! Yves, calmez-vous. Calmez-vous, Yves. Votre fille. Ma fille. Oui. Oh mon Dieu. Denis. Je vais crever. Yves, vous allez où? Chez ma fille. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Non, merci, ça y est. Où allez-vous? Je peux vous déposer? À Montainville. J'y vais aussi, c'est parfait. Montez. Vous laissez votre voiture ici? Ouais, bon, j'en aurais plus besoin maintenant. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin légiste. Ça doit être joyeux comme métier. Écoutez, je suis toujours plus heureux que mes patients. Pas faux. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? J'étais cadre chez Renault. Ah, vous avez bien réussi alors? Ouais, si on veut. Bah, soyez pas modeste. Non. Ouais. J'ai une grande maison. Mais... elle est vide. Vous n'avez pas de famille? J'ai un peu tout foutu en l'air. Comment ça? J'ai raté le mariage de ma fille. Hein? Comment vous avez pu faire une chose pareille? J'avais un rendez-vous important. Plus important que le mariage de votre fille? Non, c'est vrai. Bon, écoutez, si on pouvait parler d'autre chose maintenant. Oui, si vous voulez. Enfin, quand même.
Voilà. C'est juste là. Merci beaucoup. Attendez. Je vais juste regarder où est-ce que je vais ensuite. Ah bah. C'est ici aussi. Attendez, je comprends pas trop. Vous habitez ici ? Non. Je vais voir ma fille, justement. On ne s'est pas vu depuis 8 ans maintenant et... Moi, j'avais envie de lui dire au revoir avant de... Mmh. Bon, j'en ai pas pour très longtemps. J'ai jamais été très bon pour lui parler. Vous n'avez plus rien à perdre. Alors allez-y. Si jamais ça se passe mal, ça se passera bien. Comment vous pouvez en être si sûr ? Je le sais.